Dear students, I will not give a speech. Speeches are for more important persons than me, myself. The only thing that I want to say to you is welcome to Bruges. I hope it's for us very important to have you here in Bruges, and I hope that it will be for you also very important to be in Bruges. We normally speak another language than Dutch or German or French or English. It's Brugge we speak. And I hope you will have the accent after 10 months that you can say, I've been in Brugge. Can we try? I've been in Brugge. That's what we want. But it's also important for us to have the College of Europe in Bruges, and that is because not only the leaders of the future come to Bruges, and that you are the leaders of the future, but also important persons as Mr. Costa comes to Bruges. Monsieur Costa est un homme politique qui, dans un temps où tout le monde a une opinion, fait en sorte qu'il y a encore des gens qui font des compromis, qui trouvent des solutions et qui essayent de faire en sorte que non seulement Portugal, mais aussi l'Europe va en avant. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. On a besoin des gens qui font des accords. On est heureux d'avoir des gens avec des opinions, mais il faut avoir aussi les gens qui essayent, qui trouvent le moyen de réaliser ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est un meilleur monde, c'est un monde de paix. Et ce qu'on veut en Bruges, c'est que tout commence à Bruges. C'est pour cela that after your 10 months, you will be all Bruegeling honoris causas. Mais Bruges est une petite ville. Il y a 118 000 habitants, mais on a 6 millions de visiteurs. Ça veut dire pour un centre où habitent 18 000 personnes, on a chaque jour 18 000 visiteurs. Si on balade sur le marché, on peut constater qu'il y a beaucoup plus de gens qui disent « bom dia » que « huyenda ». Ça, c'est la réalité à Bruges, mais en tout cas, c'est une petite ville et la spécialité est qu'on peut parler avec le maire. Il n'y a pas de difficulté d'avoir de contact avec le maire. Et donc, la tradition demande que je vous donne mon numéro de téléphone. Et donc, vous êtes prêts avec WhatsApp, Messenger ou un simple SMS. Mon numéro est 0032. Pour la Belgique, si jamais. Et puis 475 70 en français. 33 79. Voilà. Si ça commence. En tout cas, le bienvenu à Bruges et on se voit à juin pour le honoris causa. Hein? D'accord? We will now hear, and in fact watch, a short address from our president, Mr. Mendes de Vigo. Bonjour Bruges, je suis ici Inigo Mendes de Vigo, je suis le président du conseil d'administration du Collège d'Europe. Aujourd'hui, j'aimerais bien être avec vous à Bruges, comme je l'ai fait les précédentes 9 fois où nous avons inauguré les cours académiques. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vendredi, comme vous le savez bien, et à Madrid, en Espagne, le vendredi, c'est le jour du Conseil des ministres. Étant le ministre de l'Éducation nationale, de la culture et du sport, mais aussi le porte-parole du gouvernement, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas me libérer de mes fonctions, être avec vous. C'est pour ça que j'utilise les moyens technologiques pour vous dire combien je regrette mon absence. Vous avez la chance d'être parmi les 300 quelques étudiantes qui seront à Bruges
et le 125 Anatoline. Mes félicitations. Moi, je trouve que l'expérience que vous allez acquérir au Collège d'Europe va vous aider à devenir des gens capables de lutter pour les valeurs et les principes qui sont celles des Européens. Et je vais me permettre de féliciter le recteur pour avoir choisi comme patronne de votre promotion une grande Européenne, Simone Veil. J'ai eu la chance de connaître Madame Veil il y a des années. C'est une femme de conviction, c'est une femme des valeurs, c'est une femme qui croyait à l'Europe. Elle a été la première présidente du Parlement européen après son élection par suffrage universel. Mais sans doute, le recteur Monard va vous expliquer à quel point Simone Veil a été importante pour l'Europe. And I would also like to thank the Prime Minister of Portugal, my friend Antonio Costa, to be with you. I'm sorry, Antonio. You know I would have loved to be at your side. I can't make it. Antonio Costa, Simone Veil, and myself, we share a common past. The three of us were members of the European Parliament. And I still remember how Antonio played a very important role as vice president. Now he's the prime minister of a country so dear to the hearts of all Spaniards as Portugal. And I know he's doing his best to get Portugal out of a very severe crisis, like many other countries in Europe, and to do it with faith in Europe. Europe is our common destiny, and I'm sure that Antonio Costa, who's a reference for many of us, will give you and explain you how he foresees the common futures of all us Europeans. So, being sad for not being with you in Bruges, but also being happy to see that so many young people will be in Bruges and in Natolin during this year to know better about Europe and to love Europe. Be lucky in your studies. The College of Europe is strong on your studies. Be lucky and have the best time. And I hope we can meet, not through this technical means, but personally in a very near future. Thank you so much from Madrid. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, la décision du Collège d'Europe de choisir Simone Veil comme patronne de promotion de l'année académique 2017-2018, prise immédiatement après son décès à l'âge de 89 ans, le 30 juin de cette année-ci, est parmi ses rares choix qui tout simplement s'impose. Il s'impose pas seulement par la raison, mais aussi par l'émotion. Par la raison, puisque dans tous les domaines d'action dans lesquels Simone Veil s'est engagée, et je ne cite que le plus connu, les réformes de l'administration pénitentiaire et du droit de la famille en France, le renforcement des droits des enfants dans le contexte du processus d'adoption, l'avancement de la cause des femmes, la mémoire de la Shoah et la construction européenne, Simone Veil a non seulement obtenu des résultats concrets, mais elle a aussi fait évoluer les esprits. Elle a objectivement, je n'hésite pas de le dire, changé pour le meilleur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais le choix de Madame Veil s'impose aussi d'un côté plus émotif, parce qu'avec elle, la France, l'Europe et le monde ont perdu une femme politique qui, malgré une certaine réserve, je dirais même pudeur, a attiré une rare admiration et affection. Le grand juriste réformateur français Robert Badinter l'a appelé récemment la mère courage
de notre génération. L'image n'est peut-être pas entièrement convaincante si on l'associe au petit trafic parfois abaissant dans lequel l'héroïne de la pièce de Brecht doit s'engager pour faire survivre ses enfants. Parce que Madame Veil s'est largement refusée au trafic d'influence et au compromis politique, travestissant parfois les convictions et les principes, ce qu'elle a appelé dans son autobiographie la politique politicienne. Par contre, l'image de la mère Courage s'applique, je pense, parfaitement à la détermination farouche avec laquelle elle a lutté pour la survie de sa mère et de sa sœur aînée, toutes les deux plus faibles qu'elle, dans le camp d'Auschwitz-Birkenau en 1944. Et aussi au grand courage politique avec lequel elle a toujours défendu la liberté des femmes, la protection de tous ceux dont les droits étaient précaires, sans distinction de sexe, d'âge, d'origine sociale ou géographique. Et, last but not least, la cause de la construction européenne. Même l'image de la mère ne me paraît pas déplacée, puisqu'il y a, dans les prises de position de Madame Veil, une force émotive inconditionnelle qui s'approche, je dirais, de l'amour maternel quand elle invoque la situation des femmes en détresse. Les détenus humiliés par le système carcéral, les enfants délaissés dans la procédure d'adoption, les immigrants exclus et discriminés, et le vécu vraiment indescriptible des victimes de la Shoah. Bien au-delà de la simple raison, il y a cette force morale de Madame Veil qui nous interpelle et nous exhorte. Au lieu de présenter les étapes d'une vie aussi riche et longue, je me permets de choisir plutôt une approche via les thèmes essentiels. Et pour un tel focus, il y a un point de référence unique, l'épée académique qui fut remise à Madame Veil 2 jours avant son entrée officielle dans l'Académie française en 2010, décorée en accord avec ses choix personnels par le sculpteur tchèque Ivan Timer. Je vais passer les symboles qui sont intégrés dans cette épée. Le premier élément hautement symbolique peut être trouvé sur la lame des inscriptions juxtaposées des devises de l'Europe, unie dans la diversité, et de la France, liberté, égalité, fraternité. Madame Veil, il n'y a aucun doute, était un grand serviteur de la France. Elle a servi en France dans plusieurs positions de grande responsabilité. Elle a travaillé 13 ans dans des fonctions supérieures dans le ministère de la Justice, puis était secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, une première fois ministre de Santé de 1974 à 1976. Plus tard, une deuxième fois ministre de la Santé dans les années 90, et puis ministère, elle était présidente du Haut Conseil à l'intégration et membre du Conseil constitutionnel. Je pourrais encore prolonger la liste. Dans une vie, son autobiographie, elle parle de l'emploi, du temps écrasant, du fait du poids des dossiers et des servitudes gouvernementales. Elle s'y est donnée entièrement à ses servitudes et son pays, la France, l'a reconnue à travers, entre autres, la dignité la plus haute de l'Ordre national de la Légion d'honneur, le Grand Croix. Et Simone Veil n'était jamais une patriote aveugle. Elle a toujours souligné à maintes reprises, elle a souligné que jamais l'éponge ne pourrait être passée dans son pays sur la responsabilité des dirigeants de Vichy ayant prêté main forte à la solution finale. Et en classifiant la société française au moment des événements de 1968 comme une société française figée, elle n'avait pas gardé ces mots.
Mais pour elle, la France était toujours porteuse d'une haute mission de valeurs et de culture méritant le plus grand dévouement personnel. Le patriotisme de Madame Veil ne l'a pas empêchée de placer son combat pour la construction européenne au même niveau que son engagement politique national. Comme la juxtaposition des devises le démontre symboliquement. Son engagement pour la construction européenne s'est certainement profondément nourri de l'expérience de la guerre et des camps de concentration. La construction européenne, pour Madame Veil, a été la meilleure garantie que pour la barbarie destructrice ne réapparaisse jamais en Europe. Mais la vocation de l'Europe, pour elle, est allée beaucoup plus loin qu'une barrière au retour du passé. Pour elle, l'Europe était un carrefour de la liberté et de la solidarité, un facteur de démocratie et de respect des droits fondamentaux, et une force pour le bien dans le monde. En tant que parlementaire européen, en tant que première présidente du président du Parlement européen élu au suffrage universel direct, présidente plus tard de la commission juridique du Parlement européen et finalement présidente du groupe libéral, démocratique et réformateur, elle s'est dédiée au progrès de la construction européenne avec le même engagement sans borne qui a marqué sa carrière politique nationale. Elle est ainsi devenue un symbole aussi pour la parfaite compatibilité de patriotisme national et européen. Cet engagement n'a pas empêché de mettre les doigts sur certains aspects problématiques du fonctionnement de la construction européenne. Elle a critiqué sans ménage à l'époque l'absentéisme des députés européens dans le Parlement européen. Elle a critiqué ce qui était assez risqué du côté français, le gaspillage de ressources dû au maintien de Strasbourg comme siège du Parlement. Et elle a fait plusieurs fois des remarques sur le fonctionnaire européen, souvent, comme elle a dit, coupé des réalités nationales. En même temps, elle a aussi jamais hésité de défendre l'intérêt commun, comme défini par le Parlement européen, même contre son propre gouvernement, comme c'était le cas, par exemple, en 1980, quand le Parlement européen avait voté des crédits supplémentaires pour l'aide au développement, ce qui était farouchement opposé par le gouvernement français. Le porte-parole du gouvernement français, à l'époque, a accusé Mme Veil d'une trahison, je cite, envers la France. Elle a tout simplement accepté parce que elle a pensé que c'était son devoir de prendre cette position. Remontant l'épée vers le milieu de la garde, on peut identifier un deuxième élément symboliquement très chargé, le chiffre 18 651, terrible souvenir de sa déportation à Auschwitz-Birkenau, tatoué à son bras gauche quand elle avait 16 ans. Certains rescapés de la Shoah ont tenu à effacer plus tard ce tatouage terrible, mais Madame Veil l'a toujours gardé puisqu'il s'agit pour elle d'un témoignage de son vécu qui a marqué son identité pour toujours. Les mots suffiront jamais de décrire ce qu'elle et les membres de sa famille ont vécu dans cette période-là. L'arrestation par la Gestapo en pleine rue à Nice en mars 1944, le transfert de toute la famille à Drancy, à Paris, la séparation de son père et de son frère déportés en Lituanie, d'où ils ne sont jamais revenus, le transport dans le wagon de bétail aux conditions hygiéniques épouvantables avec sa mère Yvonne et sa sœur Milou, au camp d'Auschwitz-Birkenau, 9 mois de travaux forcés devant les coulisses des fumées noires des crématoires, avec une lutte quotidienne pour quelques miettes de nourriture pourrie et une place pour dormir dans des baraques infectées et surpeuplées. Elle a perdu sa mère au mois de mars 1945, après ce qui était appelé les marches de la mort vers le camp de concentration de Bergen-Belsen.
et elle était, pour ainsi dire, sauvée in extremis par la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen quand elle avait déjà développé le premier symptôme de typhus. Mais au lieu de s'enfermer après dans une logique de victime et de revendication, Simone Veil a su transformer ce qui a sa place parmi les plus exécrables dans l'histoire humaine dans toute une vie de lutte pour les valeurs positives de la vie. Les droits de chaque individu, une mémoire de la Shoah vivante, mettant les jeunes générations en garde contre les abîmes du racisme, le totalitarisme et les tentations des solutions violentes. Le chiffre sur l'épée apparaît ainsi comme symbole d'une force morale extraordinaire, force morale qui a trouvé son expression aussi dans la réconciliation lucide et courageuse avec l'Allemagne qu'elle a préconisée dès le début de son engagement politique. Aux extrémités de la gare de l'épée, les extrémités de la gare de l'épée sont ornées de trois faces de femmes. Des faces avec des expressions sérieuses et fatiguées. Il s'agit du troisième élément très hautement représentatif de son engagement pour la cause des femmes. À la différence de sa compatriote Simone de Beauvoir, qui avait fameusement écrit « On ne naît pas femme, on le devient », Simone Veil a toujours maintenu qu'il y a une féminité distincte de la masculinité, qui n'est pas conditionnée par la société, par l'éducation et les traditions religieuses ou autres. Mais très tôt, elle a pris conscience que la condition féminine peut empêcher cette féminité de se développer librement. De l'exemple de sa mère qui avait abandonné ses études à la demande du père de Simone Veil, architecte, elle avait tiré la leçon qu'une femme qui en a la possibilité se doit de poursuivre des études et de travailler même si son mari n'y est pas favorable. Profondément sérieuse et soucieuse des droits des défavorisés, elle a pu se rendre compte des mondes limitations que la loi et les multiples discriminations dans la pratique imposent encore sur la liberté des choix des femmes. Devenue ministre de la Santé en 1974, Simone Veil introduit un projet de loi décriminalisant l'interruption volontaire de grossesse. Elle invoque dans son discours devant l'Assemblée nationale avec force le sort de 300 000 femmes qui chaque année en France sont rejetées, je la cite, dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de les laisser mutiler à jamais. Fin de citation. Mais la bataille publique et parlementaire atteint une agressivité diffamatoire rare dans l'histoire de la Ve République, Simone Veil étant même accusée par un parlementaire en pleine session d'accepter de voir des embryons humains, je cite, « jetés au four crématoire ou remplir des poubelles ». Fin de citation. Dégoûtée et épuisée, elle montre un seul moment de faiblesse dans les 72 heures de débat dans l'Assemblée nationale en s'essuyant les yeux pour un moment. Mais elle tient la barre. Et le projet est finalement voté le 29 novembre 1974 à 3h40 au matin. Avec plus de votes des députés de la gauche que de la droite qui ont soutenu le gouvernement. À juste titre, cette loi est entrée dans l'histoire comme la loi Veil. Et c'est une loi qui soulève encore de polémiques aujourd'hui. Mais l'action de Mme Veil ne s'est pas limitée à cette fameuse loi. Elle s'est battue avec succès, entre autres, pour le transfert en France des femmes appartenant au FLN en pleine guerre d'Algérie pour mieux le protéger et leur garantir les droits d'accès aux études. Pour les droits de la femme mariée en ce qui concerne l'autorité parentale, les droits patrimoniaux de la femme dans le mariage, et aussi elle a lutté pour la discrimination positive. Les trois faces des femmes sur la gare de l'épée représentent donc des millions de femmes qui ont été les bénéficiaires de sa détermination. Remontant la poignée
de l'épée. Un quatrième symbole frappe le regard. Ce sont ces mains fines, touchant, se touchant en confiance, sans pression, symbole de la réconciliation et de la coopération libre. D'un côté, il s'agit de la réconciliation en Europe. J'avais déjà parlé de son engagement pour la construction européenne. Mais sa vision, la vision de Mme Veil est allée bien au-delà de la réconciliation des antagonistes de la Deuxième Guerre mondiale. Face aux doutes et aux hésitations, surtout en France, concernant l'élargissement de l'Union européenne, elle a soutenu beaucoup l'idée que c'est seulement à travers l'élargissement vers les nouveaux États membres qui ont rejoint l'Union européenne en 2004 et 2007 que la construction européenne peut remplir sa responsabilité envers les États entièrement exclure et pleinement réaliser son potentiel. Mais ces mains entrelacées ont une signification encore plus large, puisqu'elle s'est également beaucoup investie dans la coopération internationale en matière de développement, surtout quand elle était présidente du Parlement européen. Elle a aussi accepté de présider une première commission dans le contexte des Nations Unies, en 90-91, qui s'est penché sur les conséquences graves de la détérioration de l'environnement pour la santé et le développement. De ce point de vue, elle est un des pionniers de la coopération internationale dans ce domaine-là. Et quand elle était pour la deuxième fois ministre, elle s'est beaucoup investie aussi dans la lutte contre le sida et la situation, surtout en Afrique. Cet engagement international en faveur de la coopération internationale sur des sujets de grande importance a été reconnu par plus d'une douzaine de doctorats honoris causa à travers le monde. Reste un dernier symbole sur l'épée, et c'est la carapace de tortue sur le pommeau de l'épée de Mme Veil. Dans la fable de La Fontaine, la tortue combine la lenteur avec la persévérance et une certaine sagesse. Toutes les grandes causes pour lesquelles Mme Veil s'est engagée, la lutte pour les droits des femmes, contre la discrimination, pour l'intégration européenne, sont des causes de longue durée, qui demandent un engagement constant et la patience et de la persévérance. Cette patience, cette persévérance face aux obstacles multiples et aussi face aux mentalités, ce que Fernand Braudel a appelé les prisons de longue durée. L'image de la tortue qui progresse lentement mais ne perd jamais son objectif de vue a toute sa place dans cette perspective. Mais au risque de pousser l'analogie un peu trop loin, je souhaite ajouter une autre considération. La carapace de la tortue en tant que bouclier de protection. Dans sa longue vie, Simone Veil a dû faire face à des épreuves tellement dures que ces épreuves auraient bien pu la briser. La destruction de sa famille par la Shoah, l'adolescence brutalement coupée court, la mort de sa sœur Milou, dont elle se sentait particulièrement proche dans un accident de voiture, en 1952, de son deuxième fils, Claude Nicolas, victime d'une crise cardiaque en 2002, et de son mari, Antoine, en 2013. Dans sa carrière politique, les chocs et les déceptions amères n'ont pas manqué non plus. La haine qui s'est exprimée contre elle à cause de la loi Veil, j'ai même vu sur Internet encore des commentaires quelques jours après sa mort, où elle était durement attaquée. Sa non-réélection en tant que présidente du Parlement européen en 1982 à cause de la défection des députés RPR et sa sortie de son propre parti UDF en 1997 à cause de sa déception de voir l'UDF fomenter des tactiques électorales avec le Front National, on pourrait ajouter à la liste. Afin de résister à tout cela, il a fallu à Simone Veil un bouclier bien fort. Il y a certes là un facteur de caractère, mais ce qui a certainement aidé beaucoup Mme Veil, c'est l'environnement familial.
Comme elle a écrit dans son autobiographie, l'harmonie et la chaleur du foyer que ses parents, Yvonne et Antoine, lui ont offert durant son enfance à Nice, ont été parmi les meilleures armes, je cite, pour affronter la vie. Plus tard, la rencontre et le mariage avec Antoine Weill, dont elle a fait connaissance durant ses études à Sciences Po à Paris, l'a beaucoup aidé à revivre, comme elle disait dans ses mémoires, après l'expérience des camps. Ce mariage avec Antoine, haut fonctionnaire avec des ambitions politiques propres, qui s'est finalement résigné avec assez d'humour au fait que Simone Weill l'a largement dépassé sur le plan politique. Un mariage dont sont issus trois fils avec une descendance nombreuse a toujours pourvu, je pense, Simone Weill d'une source de force et pourquoi pas aussi d'une carapace contre les épreuves d'une vie et d'une carrière pleine de défis sans pitié. Dear students, Simone Weill, your patron de promotion, was often not an easy person to deal with. Having strong convictions, a unique sense of mission, and detesting political maneuvering, there was probably no one, not even amongst her political friends, who had not sooner or later a forceful disagreement with her. She did not shy away from controversial positions, such as criticizing successive French governments of the center, of the right, of the left, for introducing and maintaining the 35-hour week, questioning what she regarded as a somewhat biased commemoration of the Holocaust in Poland, and frankly admitting, to the great surprise of many in her autobiography, that she was impressed by the competence of British Prime Minister Margaret Thatcher, who is seen by many of the pro-European pro-European commentators as one of the bêtes noires of the European integration process. Someone who knew her personally recently told me that he had experienced Simone Weill as a lady who could be very difficult. At first sight, this might appear at odds with the luminosity in her regard, which we can see on the poster as well, and the light colors she very often liked to wear in her clothing. But there is no contradiction here. It was precisely the luminous convictions inspiring her which made her tough in pursuing them, setting thus a shining example and lasting example for turning the most negative and of personal experiences in the most positive of political commitments, for advancing the cause of women through constructive criticism, courage and tenacity, and for the perfect combination and compatibility of deep national and European commitment. Students of the Simone Weill Promotion, consider her example and be worthy of her. Thank you very much. J'ai maintenant le grand honneur et le plaisir de demander à Monsieur le Premier ministre du Portugal de donner son discours d'ouverture. Encore un très grand merci déjà d'être venu. Monsieur le Premier ministre. Merci. Monsieur le maire de Bra. Monsieur le recteur, en vous demandant de présenter mes meilleurs compliments au président du conseil d'administration du Collège d'Europe, mon ami et voisin Íñigo Méndez de Vigo, cher professeur et étudiant de la promotion Simone Weill, monsieur les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je commence par vous remercier cette invitation pour m'adresser à vous. Deux jours après l'important discours du président Juncker devant le Parlement européen. C'est avec un grand plaisir que je participe à l'ouverture d'une nouvelle année académique du Collège d'Europe, qui depuis 1949 a tellement contribué
par le biais de la formation des générations successives à la construction de l'Europe en tant que maison commune de citoyenneté, une Europe qui repose sur cette communauté de valeurs que nous partageons. J'y participe avec d'autant plus de plaisir que Simone Veil est patronne de votre promotion. Une femme dont le parcours de vie, des camps de concentration nazis à la présidence du premier Parlement européen, élu au suffrage direct par les citoyens, symbolise l'essence même du projet européen. Un combat sans relâche pour les valeurs qui nous unissent. La paix, la liberté, la démocratie, la dignité de la personne humaine, la primauté de l'état de droit. En somme, les fondements d'une société décente, doublée de prospérité et justice sociale. Je profite de l'occasion pour partager avec vous quatre idées clés. Nous devons être fiers de nos valeurs. Nous avons de bonnes raisons de faire confiance à la valeur ajoutée de notre Union. Pour répondre aux attentes de nos citoyens, il nous faut un esprit réformateur. Et finalement, seule une convergence renforcée donnera une base solide à l'avenir de l'Europe. Tout d'abord, les valeurs. Suite à des décennies de dictature et pour consolider la liberté et la démocratie, le Portugal s'est porté candidat à l'adhésion à la communauté économique européenne. Comme l'ont fait la Grèce et l'Espagne, et puis, après la chute de Berlin, plusieurs pays de l'Europe centrale et de l'Est. Plus que quiconque, Mário Soares, Premier ministre et Président de la République portugaise, inspiré par toute une vie consacrée au combat pour la liberté, fut le grand artisan du dessein européen du Portugal. C'est lui qui a lancé les négociations d'adhésion en 1977, et c'est encore lui qui les a conclues en 1985. Mário Soares a bien compris que seule une démocratie consolidée nous permettrait d'atteindre les niveaux de progrès économique et social des pays les plus développés d'Europe, et que sans ces progrès, la démocratie reconquise demeurerait fragile, instable, menacée. L'extraordinaire développement économique et social du Portugal au cours de ces trois décennies, la pleine consolidation démocratique et le fait que 80% des Portugais se sentent aujourd'hui aussi citoyens de l'Union européenne prouvent la justesse de sa vision stratégique. En cette année où Mário Soares nous a quittés, je veux évoquer son profil d'homme d'État et d'humaniste, son action et son exemple, son courage aussi bien physique que moral, qui l'a mené à la prison, à la déportation, à l'exil, ainsi que son influence, non seulement au Portugal, mais aussi par l'Europe et le monde. Il est indiscutablement un des grands personnages du XXe siècle. Ces 30 dernières années, l'Europe et le monde ont profondément changé et font face à de nouveaux défis non moins exigeants. Mais nous ne pourrons les relever que si les valeurs restent au cœur de notre projet comme première ligne de protection des citoyens. C'est pourquoi elles sont intégralement consacrées dans les traités, sont des critères requis pour l'adhésion, des éléments définisseurs de l'appartenance à l'Union et des principes directeurs de ses politiques internes
et extérieure. Nous ne pouvons ignorer ce que la génération de Marie Schwartz et Simone Veil a appris à son propre vécu. Tout comme la chute du mur de Berlin n'a pas mis fin à l'histoire, les valeurs que nous estimons acquises ne sont pas irréversibles. Le populisme sape la démocratie. Le racisme et la xénophobie mettent en cause l'égale dignité de la personne humaine. Les entorses à l'état de droit menacent les libertés et le protectionnisme limite la prospérité. L'avenir de l'Europe doit continuer à se fonder sur les valeurs fondamentales de la liberté, de la démocratie, des droits humains, sans jamais céder à la démagogie et au relativisme multiculturel. Nous devons faire preuve de la même fermeté pour défendre la prééminence de la dignité de la personne humaine contre la xénophobie que celle que nous affichons pour ne tolérer aucune discrimination à l'égard des femmes, quel qu'en soit le prétexte, soit-il d'ordre culturel ou religieux. Ce sont ces valeurs européennes qui doivent nous unir, que nous devons défendre et pour lesquelles nous devons nous battre. Une Europe espace de liberté, une Europe de la dignité humaine, une Europe qui défend l'égalité des droits, où tous participent et s'affirment indépendamment de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Plus qu'une monnaie, un marché ou une union douanière, l'Europe est une communauté de valeurs. Il nous revient de les rappeler pour mieux les sauvegarder, pour que les Européens continuent de se forger dans la liberté et non de les trancher ni dans l'exil comme par le passé. Deuxièmement, la confiance. Notre confiance à l'avenir de l'Union découle de l'évidence qu'aucun des grands défis auxquels nous sommes confrontés ne serait mieux réglé en dehors de l'Union, de façon isolée par chaque État membre, pour autant qu'il puisse se croire plus grand ou plus fort. Le changement climatique menace l'humanité dans sa propre existence. La mondialisation défie le modèle social européen. L'automation nous angoisse quant à l'avenir du travail. L'immigration bouleverse les équilibres de nos sociétés. L'instabilité dans notre voisinage constitue un risque pour la paix. Le terrorisme répand la peur dans les rues d'une ville, comme aujourd'hui même dans le métro de Londres. Oui, ces défis existent et nous devons leur faire face. Cependant, nous ne pourrons le faire avec succès que si nous construisons une véritable union avec davantage de cohésion sur le plan économique, social et politique. Ce n'est qu'unis que nous pourrons développer les politiques de voisinage et renforcer nos capacités de sécurité et défense, que nous pourrons répondre au terrorisme et prévenir la menace globale de la radicalisation. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons surveiller notre frontière extérieure commune. Partageons de façon solidaire le devoir d'assurer la protection internationale aux réfugiés. Développer une politique de coopération capable de promouvoir la paix et le développement dans les pays d'origine. Ce n'est qu'en commun que nous serons plus forts pour imposer le respect pour l'accord de Paris et des meilleures conditions pour le mettre en œuvre. Seule l'Union est en mesure de mener une politique commerciale capable de maîtriser la mondialisation et de protéger les hauts standards sociaux, environnementaux et de sécurité alimentaire que nous tenons
à préserver. Seul le marché unique, les quatre libertés, l'investissement dans la société de la connaissance, l'innovation, l'insertion dans les réseaux mondiaux du numérique, la transition énergétique, nous permettent d'assurer la croissance et l'emploi. C'est de cette Europe-là que nous avons besoin. C'est en cette Europe que nous pouvons faire confiance, qui sera perçue comme une valeur ajoutée par ses citoyens et qui saura répondre à leurs attentes légitimes. L'année qui s'écoule a été marquée par des soubresauts, mais aussi par des preuves de dépassement. Le retrait d'un État membre sera toujours un processus traumatique, même si, comme nous le souhaitons, les négociations avec le Royaume-Uni conduiront à une relation étroite, d'étroite proximité et de coopération avec l'Union européenne à 27. Le Royaume-Uni restera pour le Portugal toujours un partenaire indispensable, aussi bon du point de vue européen que national. C'est un pays auquel nous rattachent de forts liens depuis notre traité d'alliance de 1386. La dynamique positive créée par les sommets de Bratislava, de Rome et de La Valette montre que, contrairement aux craintes de certains, la décision britannique a davantage contribué à nous unir qu'à nous diviser. Il est important qu'il soit ainsi et que cela perdure. Par ailleurs, lors des plus récentes élections tenues sur le continent européen, la voix des citoyens a montré le rejet des réponses isolationnistes et xénophobes. Les résultats du dernier Eurobaromètre démontrent que la confiance et l'optimisme envers l'avenir de l'Union ont augmenté de manière significative depuis l'automne de 2015. Bien que nous puissions être plus optimistes, nous ne sommes pas pour autant complaisants. Les inquiétudes des citoyens doivent être écoutées et surtout satisfaites. C'est la seule façon de renforcer l'Union européenne et de maintenir notre modèle de société ouverte et tolérante. Pour cela, il nous faut un esprit réformateur. Plaider pour le projet européen ne se fait pas dans l'immobilisme, mais avec de l'ambition réformatrice. Je partage la vision que le président Juncker a exposée dans les discours sur l'état de l'Union. Nous devons profiter de ces moments pour bâtir une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique. Dans les débats sur l'avenir de l'Europe, les migrations, la sécurité et la défense s'imposent comme des priorités incontournables. L'Europe n'est pas et ne doit pas devenir une forteresse. La régulation durable des flux migratoires est une tâche à long terme qui suppose un travail de partenariat dans l'intérêt mutuel des pays d'origine et d'accueil. L'agenda européen en matière de migration est crucial. Il faut continuer à investir dans la paix et la sécurité, l'état de droit et le développement économique en Afrique. Les déséquilibres économiques et démographiques entre nos continents créent un flux à sens unique que nous devons savoir régler ensemble. La politique défense exige aussi un équilibre entre ambition et réalisme. C'est un important catalyseur de solidarité européenne, en complémentarité avec l'OTAN et le lien transatlantique. L'investissement dans la défense ne se limite pas à la dépense militaire. Il est un énorme potentiel pour la croissance
et pour l'emploi, par le biais de la recherche et développement et innovation, essentielle non seulement à la modernisation des industries de la défense, mais aussi des industries européennes à usage multiple, de l'aérospatiale au textile. La lutte contre le terrorisme doit mobiliser l'ensemble de nos sociétés. Elle repose sur l'intense travail de coopération policière et judiciaire et sur la collaboration entre services de renseignement. Mais il est également nécessaire de mobiliser les pouvoirs locaux, les agents sociaux et les leaders religieux. Parce que dans ces combats, la prévention est particulièrement importante, surtout pour agir sur les causes de radicalisation. Le profil récurrent des auteurs des attentats montre bien que dans les périphéries urbaines et dans bien des quartiers au cœur de nos villes, l'Europe manque d'un programme de régénération urbaine promouvant l'intégration. Finalement, seule une convergence renforcée donnera une base solide à l'avenir de l'Europe. Avant-hier, le président Juncker nous a lancé un appel à l'action. Nous sommes devant l'occasion et le besoin de donner à l'Europe un nouvel élan politique. Son succès dépend d'une approche pragmatique capable de résister à quatre tentations. Primo, entamer un processus de révision des traités. Le traité de Lisbonne doit rester à Lisbonne, évidemment, et contient la flexibilité nécessaire pour faire face aux nouveaux défis. Secundo, nous enfoncer dans d'inextricables débats institutionnels au lieu de nous concentrer sur la réponse aux préoccupations des citoyens. Tertio, nous laisser paralyser par l'hétérogénéité naturelle des visions nationales sur l'avenir de l'Europe ou porter atteinte au respect pour la pluralité de ces visions. Quarto, la fuite en avant, en cherchant à idéaliser de nouvelles missions sans consolider ce que nous avons déjà acquis. L'Union européenne doit avancer unie dans le respect pour la volonté démocratique de ses citoyens. En 60 ans, nous sommes passés de 6 à 28 États membres. Les élargissements ont enrichi l'Union européenne, qui est devenue un espace beaucoup plus hétérogène. Cela pose aussi des défis. Aujourd'hui, évidemment, il est plus difficile de bâtir une volonté commune sur ce que nous voulons et à quel rythme faire avancer le projet européen. Il nous faut respecter la diversité des volontés nationales dans une Europe démocratique. Mais sous peine d'être victime de notre succès, nous devons admettre, comme c'est le cas d'ailleurs pour l'euro ou Schengen, que le projet européen puisse avancer à des géométries variables, à condition que cela se fasse de façon ouverte à la participation de tous, selon des critères clairs et objectifs et avec cohérence. Si nous voulons accroître la sécurité collective sur la frontière extérieure, nous ne pouvons pas nous diviser en fermant les frontières intérieures à la libre circulation. Si nous voulons davantage de stabilité dans la zone euro, nous devons renforcer la convergence économique et sociale qui la puisse assurer. Néanmoins, la construction de l'avenir de l'Europe
doit se faire sur des bases solides. La plus grave erreur que nous pourrions commettre serait de nous lancer dans de nouvelles entreprises ambitieuses sans avoir consolidé le projet le plus exigeant et prometteur que nous avons créé, l'Union économique et monétaire. La réponse tardive, contradictoire et insuffisante de l'Union européenne à la crise économique et financière internationale qui a débuté en 2008 a exposé de façon douloureuse les dysfonctionnements structurels de la construction de l'euro. Il est vrai que nous sommes aujourd'hui mieux préparés pour répondre à des nouvelles crises. La BCE a contribué de façon inestimable à sauver l'euro et que tous les pays de la zone euro ont repris le chemin de la croissance et de la création de l'emploi. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Les fragilités originaires de l'Union économique et monétaire restent en large mesure à résoudre. Nous ne pouvons pas continuer à nier ce que la science économique a depuis longtemps consolidé sur l'optimisation des zones monétaires. Tous les rapports techniques préparatoires de l'euro, du rapport Werner de 1970 au rapport Delors de 1989, ont identifié les conditions de succès d'une monnaie unique. Sans compléter l'Union économique et monétaire, nous n'aurons pas les bases solides pour bâtir l'Europe de l'avenir. Les dernières prises de position de la Commission, du président Macron, de la chancelière Merkel sont un signal clair de la fin du stade de négation et que l'Union n'attendra pas la prochaine crise pour regretter de ne pas l'avoir prévenue. Chers amis, mesdames et messieurs, nous pouvons avancer par petits pas, mais nous ne pouvons pas continuer immobiles à mi-chemin. Nous devons conclure ce que nous avons déjà commencé, comme l'union bancaire. Nous avons besoin des mécanismes efficaces pour faire face aux chocs extérieurs et de créer des stabilisateurs automatiques en cas de crise. Le Fonds de garantie européen des dépôts, la base budgétaire du Fonds de résolution unique, la progressive transformation du mécanisme européen de stabilité dans un véritable fonds monétaire européen constituent des propositions importantes dont la mise en œuvre renforcera l'union monétaire. Mais la clé de voûte de la stabilité de la zone euro se trouve dans la convergence économique et sociale entre les économies des différents États membres. Nous ne pouvons pas continuer à envisager la zone euro comme un ensemble d'économies en compétition entre elles et avec le reste du monde. Nous devons la considérer comme un espace intégré dont la prospérité et la cohésion profitent à tous ses membres. La valeur ajoutée de l'ensemble dépend du succès de tous et de chacun. Il est donc urgent de créer des instruments de politique budgétaire qui, en coordination avec la politique monétaire, permettent à la zone euro d'avoir une politique économique intégrée. Une politique qui puisse unir l'Europe, dépassant les divisions nord-sud, centre-périphérie. La zone euro devrait disposer d'instruments centrés sur l'investissement dans la promotion de la convergence réelle, en articulation avec le processus du semestre européen. Le semestre européen ne peut pas être uniquement
un mécanisme de contrôle de la discipline budgétaire. Il doit également servir les objectifs de croissance et de convergence et prévoir des critères et des indicateurs clairs pour mesurer les progrès obtenus dans ces domaines. Là devrait reposer la raison d'être d'une capacité budgétaire de la zone euro, fondée sur des ressources propres, inspirées par le rapport Monti. Il ne s'agit pas de créer une union de transfert. La convergence n'est pas une simple demande intéressée. Elle est essentielle pour assurer la stabilité de la zone euro dans son ensemble et qui profite à tous ses États membres. Il ne s'agit pas non plus de financer des inefficacités nationales. Les mécanismes de convergence doivent reposer sur une base contractuelle afin de mettre en œuvre des réformes conçues à la mesure de chaque pays en fonction de ses blocages structurels spécifiques et ces réformes permettant d'augmenter le potentiel de croissance avec des objectifs quantifiés et des délais dont l'exécution conditionne le transfert graduel des tranches de financement. Nous donnerions ainsi de la cohérence et de la consistance aux recommandations spécifiques par pays, consolidées dans les programmes nationaux de réforme, en les dotant d'instruments financiers pour leur exécution. Une zone euro réformée et complète impliquera bien entendu de nouvelles solutions institutionnelles, y compris un contrôle démocratique accru. Ces solutions doivent cependant préserver la cohérence institutionnelle de l'Union européenne, dans laquelle la Commission et le Parlement européen jouent déjà un rôle irremplaçable. Le débat sur la réforme de la zone euro ne peut être dissocié de la préparation de la stratégie économique de l'Union pour les années à venir. Cette stratégie doit avoir pour objectif central le développement durable et la création d'emplois dignes. Le prochain cadre financier est un instrument décisif pour atteindre ces objectifs. Ce nouveau cadre s'insère dans un contexte d'exigence accrue afin d'accommoder l'impact du Brexit, correspondre aux priorités dans les domaines de la défense, de la sécurité, des migrations et investir dans la transition vers une économie plus durable du point de vue environnemental, économique et social. Tous ces défis impliquent une concession renouvelée du budget communautaire qui ne peut s'épuiser dans ses politiques traditionnelles ni se limiter a priori au seuil arbitraire d'1% du revenu, clairement insuffisant face à l'ambition d'une Europe qui a le vent en poupe, selon l'expression inspiratrice du président Juncker. Il n'y a plus place aujourd'hui à la division entre une Europe de la compétitivité et une Europe de la cohésion. Il n'y a pas de pays compétitifs et des pays qui ont besoin de cohésion. Notre société européenne doit être plus cohésive et notre économie européenne plus compétitive sur le marché global. Nous avons besoin des grands investissements à l'échelle européenne pour accomplir la transition énergétique, l'économie circulaire, la société numérique. Mais sous peine d'augmenter les asymétries, ces investissements doivent renforcer la convergence réelle qui doit constituer un critère clé pour mesurer
la valeur ajoutée européenne dans le prochain cadre financier pluriannuel. Les cadres précédents ont corrigé quelques déséquilibres macroéconomiques internes. Il nous faut maintenant concevoir le prochain cadre de façon à éviter qu'il n'accentue ces asymétries. Au contraire, il doit contenir des mécanismes qui permettent de les corriger. La politique agricole commune ou la politique de cohésion sont des marques identitaires du projet européen, mais doivent aussi s'adapter aux nouvelles réalités des sociétés européennes. Tout comme la politique agricole évolue dans le sens d'un plus fort engagement agro-environnemental, la politique de cohésion doit elle aussi évoluer pour combiner cohésion territoriale et les réponses à ses principaux bénéficiaires, les citoyens. Pour cela, il faut créer des rapports au pilier social. Faisons de cette politique un instrument central de notre réponse aux défis démographiques, du marché du travail et de l'inclusion qui interpellent les sociétés européennes. Le document de la Commission sur l'avenir des finances de l'Union renforce un message très important. Maintenir le status quo n'est pas une option. Explorons donc, avec imagination, de nouvelles formules de renforcer le prochain cadre financier pluriannuel en faisant un instrument de soutien à la convergence et à l'union. Ma conviction quant à l'urgence de la réforme de l'union économique et monétaire et à la création d'une nouvelle génération de politiques de convergence repose sur l'expérience portugaise. Notre parcours de récupération économique est la preuve qu'il est possible de respecter les règles budgétaires et en même temps de mettre en œuvre des mesures économiques de promotion de la croissance, de l'emploi et de la cohésion sociale. Le Portugal croît actuellement au-dessus de la moyenne européenne, renouant ainsi avec le processus de convergence réel avec l'Europe, interrompu au début du siècle. Aujourd'hui, nous avons entamé une trajectoire de consolidation des finances publiques, de contrôle et de réduction du déficit et de stabilisation du système financier. C'est par ça qu'on a sorti cette année de la procédure de déficit excessif. Mais plus importante encore, avec une réduction prononcée et durable du chômage. Notre expérience est la preuve qu'il est indispensable respect pour les règles communes ne met pas en cause la souveraineté électorale des citoyens dans leur choix d'alternative. La démocratie dans la zone euro n'a pas été remplacée par une pensée unique omnipotente. Le Portugal est fermement engagé à atteindre les objectifs d'équilibre budgétaire et de réduction progressive de la dette publique, tout en maintenant les facteurs de compétitivité internationale de l'économie portugaise. Mais nous pouvons faire encore mieux avec un encadrement macroéconomique de la zone euro qui soit plus ami de la convergence. Monsieur le recteur, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, tout au long de notre participation au projet européen, le Portugal ne s'est jamais guidé par des critères purement économiques ou par une conception étroite de l'intérêt national. Les études d'impact économique produites lors de notre demande d'adhésion illustraient bien les difficultés auxquelles le pays aurait à faire
à faire avec sa participation au marché unique. Et pourtant, parce que l'enjeu était l'adhésion à une communauté qui consoliderait définitivement le processus démocratique au Portugal, et parce que c'était la seule voie vers un processus durable et solide développement économique et social, Mário Soares n'a pas hésité. Le Portugal a par la suite intégré toujours les noyaux durs du processus d'intégration européenne. On a été fondateur de l'euro et de l'application de l'accord de Schengen. Nous avons soutenu les élargissements successifs de l'Union européenne. Gouvernement après gouvernement, leaders politiques et citoyens ont toujours conçu l'appartenance au projet européen comme un jeu de sommes positives pour tous et ont toujours recherché que la conjugaison des différents intérêts ne se traduise pas par le plus petit dénominateur commun. C'est inspiré par ces mêmes esprits, l'esprit que vous allez découvrir ici, dans cette belle ville de Bruges, de Bras, que nous prenons une part active au débat sur l'avenir de l'Europe. Trouvons avec pragmatisme des voies de conciliation et de compromis et des solutions qui bénéficient l'intérêt général et rompent avec les dynamiques stériles et dangereuses d'affrontements entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, grands et petits, plus riches et plus pauvres. Ce n'est qu'en reprenant le chemin de la collégialité, de la convergence et de la cohésion que nous rendrons plus solides les bases de l'avenir commun que nous voulons bâtir ensemble. Merci pour votre attention. Students of the Simon Veil promotion will now deliver a message on behalf of the student body. Monsieur le Premier ministre de la République portugaise, António Costa, Monsieur le maire Renato Lundoit, honorable recteur Jörg Moner, chers membres du corps doctoral, chers collègues. C'est pour nous un très grand honneur de pouvoir nous adresser à vous en représentation du corps étudiant de la promotion Simon Veil lors de cette cérémonie d'ouverture de la 78e année académique au Collège d'Europe à Bruges. En tant que citoyen portugais et européen, cette intervention devient pour moi évidemment encore plus spéciale et nous aimerions commencer par adresser à Monsieur le Premier ministre un message de remerciement au nom de tous les étudiants de la promotion Simon Veil pour sa présence ici à Bruges et pour son discours. Muito obrigado. In many ways, this opening ceremony serves as a metaphor for the current state of the European integration debate. Today, we find ourselves at an intergenerational forum where the past, the present, and the future of Europe is gathered, trying to find some common understanding on the direction that this union should take. We, the students, represent Europe's youth. We carry with us its hopes and its grievances. We have the energy, the creativity, and the will to transform Europe. And we are prepared to receive the torch. Aucune autre génération dans l'histoire du continent se sent plus européenne que la nôtre. La plupart d'entre nous sommes nés après le traité de Maastricht
et donc nous sommes nés citoyens de l'Union. Grâce à l'intégration européenne, nous avons voyagé, étudié et travaillé partout en Europe. Nous avons créé des liens d'amitié entre Européens et ainsi, de façon plus ou moins involontaire, nous avons contribué pour le développement d'une identité continentale. But what does this mean? What is the specific role that our generation should take in this continuous and most important debate, in this continuous and most important task of building Europe? As a generation, we have the gift and privilege of understanding different cultures and backgrounds, regardless of physical frontiers and prejudices. This is also a source of responsibility. Responsibility towards those who are not yet part of this project, but want to adhere. Responsibility towards those who, being part of this union, feel disenchanted with it. And most of all, responsibility towards ourselves and our common future. EU institutions and EU member states must do more to empower Europe's youth. The level of understanding of European affairs among young Europeans is far too low. If our generation is to succeed, if this union is to succeed, young people must have the necessary knowledge to take part in the decision-making process, to mobilize, to make a difference. Institutions such as the College of Europe make a difference. L'esprit du collège should serve as a torch guiding the way, and it is our shared responsibility as of the students to spread this light. Et quand nous parlons de lumière, nous parlons surtout de la sensation d'être accueillis, d'être bienvenus. Ni tous les étudiants du collège sont des citoyens de l'Union. Pourtant, nous partageons tous les mêmes valeurs, la même conviction et le même enthousiasme pour ce projet de destin commun. Unis dans la diversité, nous, les étudiants du Collège d'Europe, faisons preuve du réalisme de cette idée qui est l'identité européenne. Parfois, nous oublions que cette identité européenne se trouve aussi au-delà des frontières de l'Union et que cette identité est aussi forte à l'extérieur. Pour nous tous, l'Union demeure une source de lumière, un projet de paix, un chemin vers l'avenir. Here, at the college, we represent more than 15 nationalities, and we use this platform as an engine for understanding. We believe that each and every one of us represent a valuable source of knowledge. We believe that here we live the future we aspire to build and want to share. Here we build bridges and bring unity among nations. During this year, we will have inspiring discussions, unforgettable moments, I'm sure some unexpected surprises, and ultimately, we will make everlasting friendships. In one sentence, we will experience Europe.
This is our promise, and this is our time. Merci. Monsieur le Premier ministre, je voudrais bien vous remercier pour votre grand discours. Je ne peux pas cacher mon admiration pour la combinaison d'un discours sur les grands principes qui nous unissent en Europe et de propositions très concrètes aussi en matière de politique européenne. Par exemple, ce que vous avez dit sur l'absence d'un programme européen pour la régénération suburbaine, il y a beaucoup d'éléments très concrets. Je pense que vous avez donné à nos étudiants beaucoup d'idées pour la mémoire de maîtrise et pour le travail durant l'année académique. Mais en plus, vous avez vraiment mis l'accent sur ce qui nous unit et sur le grand chantier que reste la construction européenne. Encore un très grand merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. Et avec ça, j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer l'année académique du collège ouverte. Please join me now to stand up for the European hymn.